Tirage en croix pour le signe de la balance. Je vous invite ici à accueillir vos intuitions, inspirations, parce que vous pouvez interpréter ce tirage d'une façon différente à la mienne. Alors voilà, commençons. Ici, on parle d'une balance qui a traversé une période très éprouvante sur le plan de ses émotions. C'était une période très sombre, de bouleversement intérieur. En ce moment, ce que l'on me dit, étant donné que la carte, elle est à l'endroit, bien là, notre balance est en phase de reconstruction. Ici, elle utilise ses forces, son courage, sa volonté, sa détermination, sa capacité à s'aimer elle-même. Elle fait preuve d'amour et d'estime d'elle-même pour se reconstruire. Ici, elle s'oriente vraiment vers quelque chose de plus lumineux, beaucoup plus léger, moins lourd que ce qu'elle a traversé auparavant. Ici, je vois que se présente à vous une nouvelle occasion ici de commencer quelque chose. Est-ce que c'est un projet d'affaires, un projet amoureux? Bon, c'est un projet, c'est quelque chose, une occasion ici, là, qui arrive. Ça serait au tout début. Mais je vois qu'on est, on se sent peut-être pas tout à fait prêt, là, aligné pour débuter ce projet. C'est un peu comme s'il vous restait encore quelques petits changements à faire pour retrouver votre harmonie, votre paix, votre tranquillité intérieure. Et on nous parle ici de la notion du temps qui est importante. Se donner le temps là, de se rebâtir une étape à la fois. On ne tire pas sur les fleurs, on les laisse pousser, on respecte leur rythme. Donc, il y a vraiment ici, c'est une carte qui nous parle de changements aussi requis dans certains modes de notre vie. Donc, c'est un peu comme s'il restait encore quelques plans, quelques plans à modifier pour être pleinement là, en accord avec soi-même, aligné à l'endroit où l'on souhaite être. Donc, il y a vraiment une notion de mûrissement en ce tirage. Et pour vous préparer pour ce nouveau départ là, qui arrive, cette nouvelle occasion, si vous le souhaitez, de débuter ce qui se présente à vous. Mais en ce moment, on voit vraiment l'importance ici de vraiment harmoniser là, vos plans de vie. Ça semble être important là, parce que c'est un peu comme si on ne se sentait pas assez solide. Mais en même temps, c'est compréhensible parce qu'on est en phase de reconstruction. On a la force pour y arriver. On ressent notre puissance, notre confiance qui grandit. Mais c'est un peu comme si on n'était pas tout à fait prête là, pour enclencher quelque chose de nouveau. Mais ça va venir. Il faut se laisser du temps. Donc voilà, c'est ce que j'ai vu ici pour vous. Je vous souhaite une belle journée.